Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans cette Darija story du mois de décembre qui va porter sur le thème la maison. Donc la Darija story, jusqu'à présent, je faisais un mot par jour du lundi au vendredi sur ma chaîne IGTV Instagram. Et en fait, je viens de décider désormais de publier 5 mots par semaine que je publierai chaque lundi sur ma chaîne YouTube. Et si je peux, sur la chaîne IGTV, le but c'est de pouvoir toucher le maximum de monde. Donc, les 5 mots de la semaine vont porter sur les pièces de la maison. Alors, tout d'abord, le premier mot c'est dar. Dar, dar, c'est-à-dire la maison. Dar, la maison. Et la petite phrase qui l'accompagne c'est dar l'kbira. Dar al-kubira, dar al-kubira, c'est-à-dire la grande maison. Et la grande maison, ça renvoie généralement à la maison des parents, la maison familiale où tous les enfants ont grandi. Ensuite, le deuxième mot, c'est salon. Salon, salon, c'est-à-dire le salon. Salon, le salon. Et la petite phrase qui va avec, c'est salon taqlidi. Salon taqlidi. Salon taqlidi, c'est-à-dire le salon traditionnel. Donc le salon traditionnel selon l'art marocain. Quand on dit salon taqlidi, ça renvoie à un salon qui est de style marocain. Ensuite, troisième mot, le cousina. Le cousina, le cousina, c'est la cuisine. Le cousina, la cuisine. Et la phrase qui va avec, c'est le cousina wessa. Le cousina wessa. Le cousina wessa, c'est-à-dire la cuisine est grande. Donc ça veut dire large, wessa. Donc là, c'est du féminin, donc on dit wessa avec un A à la fin. Et là, ça renvoie ici, dans ce cas particulier, au fait que la cuisine est grande, elle est spacieuse. Ensuite, quatrième mot, l'hammam. L'hammam, l'hammam, c'est-à-dire la salle de bain. L'hammam, c'est la salle de bain. Ça peut renvoyer aussi au bain public, mais dans la maison, c'est la salle de bain. L'hammam, la salle de bain. Et donc, je peux te rajouter aussi un petit mot en bonus, c'est le toilette. Le toilette, c'est ben, les toilettes. Le toilette. On dit parfois aussi, pour reprendre le mot arabe, le mirhad. 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 Et donc la petite phrase qui accompagne le mot hammam, c'est l'hammam dayiq. L'hammam dayiq. L'hammam dayiq, c'est-à-dire la salle de bain est étroite, il n'y a pas beaucoup de place. Elle est étroite, donc c'est le contraire de wasi' qu'on a vu juste avant, wasi' wasa au féminin. Et enfin, le cinquième mot, c'est l'bit. L'bit, l'bit, c'est-à-dire la chambre. L'bit, la chambre. Et un autre bonus, c'est l'bitnes. L'bitnes, bitnes, c'est-à-dire la chambre à coucher. Et donc, une petite phrase qui peut accompagner ce mot, c'est shrit bitnes. Shrit bitnes, shrit bitnes, c'est-à-dire j'ai acheté la chambre à coucher. Donc, par exemple, quelqu'un qui projette de se marier pourra dire ça, shrit bitnes, j'ai acheté la chambre à coucher. Donc voilà pour les 5, même 7 mots de la semaine. J'ai oublié de les prononcer au pluriel, donc maintenant je te prononce ces 5, voire 7 mots au pluriel. Tout d'abord, dior, dior, c'est-à-dire les maisons. Salonette, salonette, les salons. L'cousinette, l'cousinette, les cuisines. L'hammamet, l'hammamet, c'est-à-dire les salles de bain. L'biout, l'biout, c'est-à-dire les chambres. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série de 5 mots sur le thème de la maison. Merci beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt. Slama, bye bye.